Et voilà, nos merveilles sont prêtes. On peut les retirer. Regardez comme elles sont dorées. Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien chez vous. Aujourd'hui en cuisine, nous allons faire des merveilles, des gâteaux croquettes, croquantes, croquantement croqueux. Period. Des merveilles. Et sans plus tarder, c'est parti. Les ingrédients, on a de la farine, du sucre, du beurre fondu, du lait, des œufs et de la muscade. Et de la muscade. Sans plus tarder, c'est parti. Ok, donc on va utiliser notre batteur. Ça sera plus facile et plus rapide. Si vous n'avez pas de batteur, vous pouvez toujours utiliser votre main. Cela ne sera pas un problème. Donc, dans notre batteur, on va ajouter notre farine, le sucre. On va faire un trou dans notre farine et ajouter notre lait, nos œufs. Et notre beurre. Et voilà, on va maintenant mélanger jusqu'à obtenir une pâte très homogène. Parti. Et maintenant on a fini, regardez un peu la pâte, vous voyez, bien homogène. Voilà, on va passer maintenant au découpage. Donc si vous utilisez votre main aussi, vous voyez, vous devez obtenir quelque chose comme ça. Ok, donc nous allons ajouter de la farine à notre plan de travail. On va retirer notre pâte. Vous voyez un peu la consistance. Vous voyez, on chic. On va maintenant couper notre pâte. Et les découper en petits morceaux. Comme ça. Et vous roulez. Je crois que je vais découper ça aussi un peu. Vous roulez comme ça. Mais on va découper rapidement. Vous voyez comment ça va vite. On va découper rapidement. Et voilà. Croquette. Puisse les transférer dans l'huile plus facilement. Je les mets ici et là maintenant on va et on le dépose dans l'huile. Je tiens à préciser que le feu il est à moyen. Et voilà, nos merveilles sont prêtes. On peut les retirer. Regardez comme elles sont dorées. Elles sont dorées à merveille. Comme on le dit. Et voilà. Je vais les retirer. Et voilà, nous tirons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour de nouvelles recettes.